La mairie de Mende qui nous a prêté gracieusement la salle. Remercier aussi Madame le proviseur du lycée Chaptal qui nous honore de sa présence ce soir. Voilà. Et puis bien sûr remercier tous les élèves, les artistes bien entendu, mais aussi les spectateurs. Le spectacle qu'ils vont vous présenter est d'une évidente grande qualité. Donc vous allez en juger par vous-même. La soirée sera découpée en deux parties et séparée par une entracte. Donc en première partie, vous allez voir tout à fait au départ un prologue en musique, deux prologues, une œuvre à quatre mains et une œuvre à deux voix. Ensuite, nous procéderons à la remise des prix du concours du Festival d'Alès, donc ça fait un petit intermède. Ensuite, vous écouterez la musique irlandaise et le groupe de jazz. Entre-temps, il y a des vidéos et des photos qui tourneront aussi et qui témoignent des activités culturelles et artistiques de notre lycée. Merci de faire place au silence. Ah, c'est bon, ça marche? Ouais. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là d'abord. Et du coup, avec Simon et Théo à la batterie, on va vous jouer un quatre mains intitulé Take the A-Train. C'est de Duke Ellington et bon, c'est une reprise qu'on a améliorée nous-mêmes, on va dire. Donc c'est un peu dans le style reggae ska, donc j'espère que vous allez aimer. Thank you.
Nous, on est Maya au piano et Luna à la guitare au chant, et Maya aussi au chant. Et on va vous interpréter deux morceaux, un qui s'appelle Les Baleines de Marie Charrier et un autre qui s'appelle Monochrome de Yann Sursey. Des cons.
pas quand on vous parle de véritable talent au lycée Chaptal. Et vous n'avez encore rien vu. Avec la remise des prix du Festival d'Alès, auquel ont participé une partie de la classe de P3ES, ainsi que sept référents culturels de seconde qui avaient été sélectionnés et qui ont participé au festival. Voilà. Alors, on avait demandé aux élèves de P3 de rédiger un journal du festival qu'ils ont rédigé en anglais. Et la semaine dernière, jeudi dernier, il y a des parents qui sont venus, il y a la presse qui est venue, et ces gens-là ont pu choisir quel était le journal du festival qui était le plus beau, le plus attrayant, etc. Donc le premier prix a été décerné à Louise Savajol. Je ne sais pas si Louise est là. Je ne sais pas si elle est là, Céline. Non, elle est malade. Et elle a une place de cinéma. Alors, maintenant, j'appelle les 7 référents culturels de seconde qui sont venus à Alès avec nous. Donc, il doit y avoir Baptiste, Abel, Gabriel, Erin, Nicolas, Manon, qui est absente, et Adama. Alors, je tenais à dire que ces élèves ont fait un travail remarquable, que ce soit en vidéo. La vidéo, vous ne la verrez pas là, mais elle sera disponible, elle risque de tourner, je pense, sur YouTube, c'est ça? Voilà. Donc la vidéo, on la doit à Baptiste et à Abel. Ensuite, il y a une émission de radio avec des interviews qui ont été réalisées par Gabriel et Erin. Et ensuite,
finale qui a été réalisée par Nicolas, Manon et Adam, à laquelle Adama a participé aussi, qui a été... Voilà, en tout cas, sachez qu'ils se sont comportés de façon exemplaire à Alès, évidemment. De toute façon, les élèves, dès qu'on les amène quelque part, les élèves de Chaptal, ils sont toujours exemplaires. Je tenais à le dire. Bonsoir à tous d'abord. J'aimerais bien vous présenter donc les musiciens. Donc nous avons au violon Baptiste et Maya. Au tuba, on a Gabriel. Madame Segré, donc, à la trompette. À la batterie, nous avons Albert. Emma Rautz-Bonnet à la flûte. Et à la guitare, nous avons Luna et Abel. Thank you.
Maya au chant. Mais je pense qu'on va pas tarder à le trouver. Je vous présente l'atelier jazz. Alors l'atelier jazz est composé à la guitare donc de Abel et de Simon. À la basse, nous avons Aglaé. À la batterie, nous avons donc Théo. À la trompette, Aurélie Sauvré. Au tuba, toujours Gabriel. Au violon, toujours Baptiste. Et
Le trio vocal, là, vous en voyez que deux, mais Luna fait partie du trio. Comment? Donc, Émilie au vocal. Et Angela au vocal. Et au piano, Monsieur Moreno. Thank you.
continue avec un morceau qui s'appelle Minor Swing. Yes. Calmez le jeu avec une balade. Thank you.
Remarquable et je tenais encore à les remercier. Il dépend complètement du projet fédérateur de l'établissement et qui est un projet sur le réel et ses doubles. Et à l'entracte, il y aura les albums photos de l'année, les chapibooks à vendre à 15 euros. Voilà. Alors, place à l'entracte, je vous propose 10 minutes grand maximum parce qu'il y a encore une seconde partie très intéressante. Say, falling away of the curse.
Les départs qui déchirent le cœur, Dynamo. Ce n'est pas le retour qui éclipse aussitôt le voyageur qui intéresse. Non, ce n'est pas le retour, c'est le départ. Le cœur fiévreux, le sac à l'épaule, le regard figé sur ce tableau des horaires, le cliquetis argenté des voix peu à peu la marche à suivre, on attend. Passent et repassent les hommes pressés, les femmes avec leurs enfants, leurs valises, leurs chats, les bandes braillardes, les errants, les familles électriques, les fantômes du monde entier, les anonymes couleurs de fumée, les fous qui parlent seuls. Lieu des au revoir et des adieux, lieu aux histoires meurtries, aux décisions décousues et aux envols vainqueurs, lieu de toutes les souffrances et de toutes les interrogations et de tous les espoirs, lieu des derniers sourires, des paroles qu'on n'oubliera jamais, et des baisers donnés pour la vie. Voici la gare qui enflamme, comble les cœurs, déplie les ailes, elle qui jamais ne se lasse et jamais ne nous lasse. Voici la gare, c'est elle le personnage principal, elle le sait et elle le fait savoir. Voici la gare centrale, débarcadère des volontés, carrefour des inquiétudes. Allez, quand t'arrives là-bas, tu dis rien. 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 Tu dis bonjour et la suite normale, mais tu dis rien. Si on m'interroge. Tu regardes ailleurs. Ailleurs. C'est où ailleurs? Tu regardes une tache sur le mur. Et je dis quoi en regardant? Tu dis tiens, j'avais jamais remarqué cette tache sur le mur. Et les autres, ça les déroute. Et s'il n'y a pas de tache? Si tu regardes bien, il y aura une tache. Ah bon? Il y a toujours une tache. S'ils viennent de reblanchir les murs à la chaux. Tu cherches la bête ou quoi? Justement, s'ils viennent de reblanchir, ça va les intriguer. Ils vont se mettre à chercher. C'est vrai que... Et toi, avec ton regard d'aigle, tu t'accroches exact comme si tu la voyais, la tâche. Grosse comment? Comme tu veux, t'es libre. Ça se verra pas. De quoi? Que je ne vois pas ce que je dis que je vois. Prends un air normal. Normal? C'est quoi, normal? Pas inquiet, pas nerveux, pas causant, les mains dans les poches. Comme ça? Mais non, pas comme ça! T'as les poings fermés, je parie! On dirait de pétards! C'est que j'ai les poings plus gros que mes poches? Te flatte pas, tu veux? Et après? Après quoi? Qu'est-ce que je fais après la tâche? Tu veux peut-être que je te dise que pour pisser, faut sortir sa queue! Après, tu gardes ton air! C'est quoi mon air? Ton air d'être! J'ai l'air d'être? Tout à fait! Je savais pas. Bon, t'as compris? Quoi? L'ensemble. L'ensemble, oui, mais entre... Entre quoi? Entre l'ensemble. Si tu t'obstines à faire l'andouille, je me passe de toi et je téléphone à Rémi. Non, non, non. Tu parles de rien, tout ira bien. C'est que... Quoi encore? Je n'ai pas d'argent. Et t'attendais quoi pour le dire? J'attendais rien. Mets ça en poche, sans compter. Comment je saurais combien j'ai? Quand t'auras plus rien. Et quand j'aurai plus rien, je... Maintenant, tu la fermes! Je resterai combien de temps? Où? Devant la tâche. Le temps qu'il faudra. Je m'en apercevrai. De quoi? Du temps qu'il faudra. Et après? Après quoi? Après tout. On verra. Moi aussi, je verrai. Mais oui, tu verras, c'est clair. Si c'est clair, je verrai. Bon. Quai numéro 6, voiture 4, place 12. 6 et 4, et j'ajoute 12. Ça, c'est bien. Pourquoi? Parce que ça fait 22. Juste l'âge que j'aurai quand je reviendrai. Ah, parce que tu sais quand tu reviendras? Non. Mais je sais l'âge que je vais avoir. Allez, va t'asseoir. Il faudra pas que je change de place. Pourquoi? Parce que j'aurai pas le même âge. Arrête de faire le mal. Et regarde le paysage. Il fait nuit. Et alors? Quand il fait nuit, le paysage, il n'existe plus. Ah, tu m'as fait peur, connard. Mais
couleur de la tache. Tu reviendras ? J'en reviendrai. Tu m'aimeras encore ? Je t'aimerai toujours. Tu me le diras ? Je te le dirai et te le redirai. Tu ne m'oublieras pas ? Je ne t'oublierai jamais. Tu ne changeras pas ? Je ne changerai jamais. J'ai raison d'avoir confiance. Tu as raison d'avoir confiance. Même si tu restes longtemps. Même si je reste longtemps. Tu m'écriras ? Je t'écrirai. Tu attendras mes lettres ? J'attendrai tes lettres. Le soir, seul dans ton lit, tu m'entoureras de tes bras. Le soir, seul dans mon lit, je t'entourerai de mes bras. J'ai mal. Moi aussi, j'ai mal. Regarde-moi. Je te regarde. Ne perds pas ma photo. Je ne la perdrai pas. Enlace-moi. Ne pleure pas. Dans 10 ans, tu verras. On n'avait pas la gare. Où est-ce qu'on irait ? Dans un endroit ? La gare, c'est quand même mieux qu'un endroit. Moi, c'est plus vivant. C'est pas comme une famille. Ah bah non, c'est pas comme. Sans la gare, où on irait, quoi ? Les gens s'en vont, reviennent, repartent. Mais nous, on n'est pas des nomades, on est des citadins de choix. Avant, il y a longtemps, dans les gares, il y avait une odeur. Une odeur de gare. Plutôt une odeur de train. Je dirais même une odeur de locomotive. Exactement. Une odeur, Raymond, si tu te souviens, de jambon fumé, de vieux jambon. Et puis même une odeur de femme qui s'assit sur de la cendre chaude. T'as déjà rencontré une femme qui s'assoit sur de la cendre chaude? J'ai dit comme, j'ai pas dit qu'elle s'est assise, j'ai dit comme. Quand elle fumait de tous ses naseaux. Et qu'on la regardait bien en face. La locomotive. Un vrai taureau. Un taureau femelle. Maintenant, regarde comme ça. Ça sent que le désinfectant. Et il n'y a plus que nous pour avoir une vraie odeur d'homme. Une odeur d'humanité. Pareil qu'il y en a qui se rappellent l'odeur de leur mère. Les vraies mères, peut-être. Mais moi, j'ai rien qu'un père. Les gosses à l'école. Qui se refait des coups de pied au cul, ben moi je les enviais. Parce que mon père, sa spécialité, c'était les coups de pied dans les naseaux. Et puis me faire avaler la soupe avec le sang qu'il avait pissé dedans. Tu avalais ? Ben, c'était le plat du jour. Non mais des fois, il me faisait passer manger par terre, sur un journal. La soupe ? Mais non, les nouilles. C'était pas un père ça, c'était le mien. Oh là là. Moi au début, c'était correct. Puis quand ma mère est morte, mon père a ramené à la maison une bringue, avec les cheveux longs jusqu'au cul, qu'elle attachait avec des rubans de couleur. Tout de suite, elle m'a regardée avec des yeux de serpent. Je pissais au lit depuis la mort de ma mère. Pour me guérir, elle me réveillait en pleine nuit et elle me battait. Puis elle m'attachait au barreau de mon lit avec la ceinture de mon père. Debout, je finissais bien par m'endormir. De l'eau dans les yeux, de la pisse au cul. Enfin, comme ça, faudrait les tuer. Elle l'a fait toute seule. Un jour, elle s'est jetée sur les rails. Bon, c'était qu'un petit train, mais ça lui a suffi. J'ai plus pissé au lit. Qu'est-ce qu'on retrouve quand on se fait marcher dessus par un train ? Des morceaux. On a retrouvé une de ses mains accrochée dans un arbre, avec ses grosses bagues. Ce jour-là, ça a été le plus beau jour de mon enfance. Je m'en rends pas compte. Bonjour dans la nuit. Entre les deux. J'étais assis côté couloir, j'avais juste 25 ans. Il pleuvait sans interruption depuis des mois. J'avais acheté un magazine consacré au musée, aux peintres belges. J'avais un peu mal à la gorge. Je portais à l'époque une écharpe écossaise. Je me suis. Elle s'est assise en face de moi, je l'ai aimée. C'est-à-dire, elle s'est assise, je l'ai aimée. Comme ça ? Je l'ai aimée, tout de suite, définitivement. Pour la vie, pour jusqu'à la mort. Avant que le train ne parte, je l'aimais comme un fou. J'étais sur terre pour l'aimer. Je voulais savoir tout de suite son prénom, les écrivains et les peintres qu'elle aimait. Si elle était gourmande, où elle était née, si elle était chrétienne ou juive, si elle préférait les tailleurs en fou.
Je voulais entendre sa voix et son rire. Je voulais tout savoir d'elle. Donc, ces choses-là arrivent. J'avais commencé un travail critique sur le peintre Magritte. Dans un album consacré à sa vie, une photographie d'amateur où l'on peut voir la femme de Magritte assise à côté de lui. Elle entoure son cou de ses bras presque dénudés. Elle porte un petit bracelet à son poignet droit et lui, une rose blanche à sa boutonnière. Elle a des cheveux ondulés en large cran, comme se coiffaient les femmes à cette époque. J'avais été bouleversé par la beauté de cette femme. Un visage taillé dans la lumière et la soie. Un sourire à peine esquissé, elle disait sa joie d'être aimée. Elle s'appelait Georgette, Georgette Magritte. Des yeux bleus si pâles, c'est une photo en couleur? Non, mais sur les bonnes photos en noir, on peut voir la couleur des yeux. Donc, assis en face de cette femme, avec au cou votre cher Picasso. Oui, c'était la même beauté, le même visage de lumière, et ce regard calme et clair, où les yeux sont d'un bleu si pâle que ce n'est pas du bleu, mais comme le souvenir du bleu. Mais vous étiez amoureux de cette femme, ou de la femme du peintre? Elle s'était rejointe. Vous l'avez revue? Nous sommes descendus à la station suivante. Nous sommes entrés dans un parc tout mouillé et nous nous sommes embrassés, dans le kiosque à musique. Et puis, elle a téléphoné à son fiancé. Pour lui dire qu'elle avait raté son train. Pour rompre ses fiançailles. Rompre ses fiançailles? Mais vous vous rendez compte? Vous êtes peut-être gâché la vie de cette femme? 3 mois plus tard, nous nous sommes mariés. Excusez-moi, je ne pouvais pas imaginer. Mais dites-moi, votre femme n'a pas les yeux bleus? Excusez-moi, à bientôt, je vais rater mon train. Sa femme n'a pas les yeux bleus, et pourtant je l'ai toujours vue avec cette écharpe écossaise. Qu'est-ce que tu cherches avec ce voyage? Cette femme là-bas, qui m'a élevée jusqu'à l'âge de 6 ans, je veux qu'elle me parle de ma mère. Elle m'en dira plus que tous ceux ici qui font semblant de l'avoir connue et qui se taisent. Et quand t'interroges ton père? Il regarde par la fenêtre. Dans le ciel, soudain, quelque chose le fascine. Un absent contemple un ciel vide. Ne pars pas. Pourquoi? Il arrive malheur à ceux qui cherchent à déchiffrer le secret des morts. Mais qui se taisent les morts, ceux même qui ne pouvaient pas parler du temps où ils avaient une grande bouche vivante. Ce n'est pas une morte que je cherche, c'est le visage de ma mère, son ancien visage. J'en ai besoin, pour me connaître. Je vais la traquer et la forcer. Il faudra bien qu'elle parle à sa manière. Les morts aussi savent mentir. J'ai à peine connu sa voix. Je me souviens que de ses yeux d'un bleu étrange, comme lavé par la lumière. J'avais 8 ans quand ma mère a épousé ton père. Je t'ai aimé tout de suite. T'étais brutal et silencieux, mais je t'aimais. Tu tombais souvent de vélo, tu te souviens? Je voulais toujours soigner tes blessures, pour te toucher, pour que tu t'intéresses à moi. J'aurais voulu que tu tombes sans cesse. Une fois, je l'ai fait exprès. Pour m'étonner? J'ai peur. Ton père a toujours été pour moi un homme silencieux comme toi, mais doux et attentif. Tu essaies de me distraire. En ce moment, pourquoi n'a-t-on aucune photo de ma mère? Sans doute par délicatesse envers la mienne. Il n'était sans doute pas facile de succéder au fantôme d'une femme qui avait été si fortement aimée et que tout le monde admirait. Et je parle pas d'un portrait en couleur accroché au mur du salon, mais d'une petite photo d'amateur. Ne doit-on pas cela, son enfant? Un portrait, une simple photo cachée au creux d'un tiroir, dans la poche intérieure d'un vêtement ancien. Une simple photo d'identité. T'en as parlé à ton père? Il est sorti de la pièce. Je t'aime. Pas autant que lorsque j'étais petite. Autant où je dormais pas pour penser à toi. Autant où manger ma soupe était un supplice parce que tu me regardais en ricanant. Mais je t'aime pour tout le temps à venir. Moi aussi, je t'aime. Quand j'aurai fait le tour des questions, je reviendrai. Nous nous aimerons. Et alors, peut-être, j'oublierai la mère sans visage, l'enfant sans mère. Tu reviendras? Bien sûr. Seule? Tu es parfois très très bête. J'oublie pas que t'es le fils d'un homme qui est tombé amoureux d'une femme, assise en face de lui avant même que le train se mette en marche. Les coups de foudre ne sont pas héréditaires. Ça me fait passer. Il me l'avait demandé. Il l'avait accompagné jusque sur le quai. Il partait faire son service militaire. Il était le neveu de monsieur le recteur qui nous aurait bien de venir marier femme. Je n'étais pas bonne partie. Ni gote, ni bien, ni terre. Mais j'avais du sérieux. Et à l'époque, le sérieux, c'était presque une dot. Il ne me déplaisait qu'à moitié. Il était plutôt joli garçon. Avec une petite moustache dorée qui mordillait en clignant de l'œil.
Quand son train est arrivé en gare, au moment de me dire au revoir, il a pris une de mes et a plaqué entre ses cuisses. Mon Dieu, c'était gros et chaud comme une poule fenêtre. J'ai dit à monsieur le recteur que je n'aimais pas ce genre de poule. Il a pris la honte. Pour le recteur, c'était comme une gifle. Mais je l'ai échappé belle. J'aurais été veuve à 20 ans. Il est mort au début de la guerre. Les hommes de la campagne, ça s'est marché longtemps. Mais ça s'est pas prouvé. Et à cette guerre-là, on a dit qu'il fallait savoir. On l'a retrouvé dans un fossé, les yeux ouverts, qui regarde le ciel. J'ai souvent repensé à sa petite moustache dorée. Et malgré tout, ça me faisait quelque chose. Et j'ai failli rester sur mon tas de feuilles parce que mon sérieux finissait par être trop sérieux. L'époque avait déjà changé. Et puis j'ai rencontré Joseph. 52 ans avec lui. Et 5 enfants. Je n'en demandais pas tant, mais c'était de bons enfants. Maintenant, ils sont tous partis, bien sûr. Et lui aussi, mon Joseph, il n'aurait pas dû. Une nuit sans lune, en rentrant d'une batteuse, il est tombé dans une mare. Il avait sûrement un peu bu. Il a vu sa mort dans l'eau d'une mare. Mais maintenant, qu'est-ce que je vais faire, moi, seule, dans cette gare, en âge, si on ne vient pas me chercher? La petite fille qui s'appelle Alice attend sa mère à l'accueil, porte B, face au pied numéro 13. Alice! 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 Je répète, la petite fille nommée Alice attend sa mère à l'accueil, porte B, face au pied numéro 16. Ils ont dit le pied 13 ou 16? Ils ont dit les deux. Les deux? Alice! Ah oui, est-ce que j'ai pu les aimer, les hommes? Je les ai tous aimés, tous! J'ai pas fait dans le détail. Les jolis cœurs, les beaux filles, les râleurs, les silencieux, les tristes, les tatoués, même les méchants, même ceux qui veulent pas se laver. Je les frottais comme on lessive une cuisine. J'aurais voulu les tenir tous entre mes bras, les embrasser tous à la fois. Tu parles polonais, je serais pas plus étonné. Des polonais aussi, j'en ai connu. Tous entre mes draps? Pas tous entre mes draps. Mais tous entre mes bras. Et c'était de l'amour ou c'était plus bas? C'était pas toujours de l'amour. Mais c'était comme les pyramides. Les pyramides, j'essaye de voir. Il y a des gens qui vont en Égypte et qui y retournent parce qu'ils disent que la lumière qui change, change les pyramides. Mais pour de vrai, ils sont tout à fait pareils. Les hommes aussi, ils ont une lumière autour d'eux. Et on croit qu'ils sont différents. Mais ils sont tous pareils. Regarde-les, comme ils fouillent dans leurs 36 poches quand ils ont perdu quelque chose. Et comme ils regardent au loin pour masquer leur inquiétude. Et comment ils tiennent un bouquet de fleurs la tête en bas. Et comme ils ne sauront jamais les faire les boucles de leurs lacets de chaussures. Et cette figure d'ange quand ils ne sont pas sûrs de réussir leurs mensonges. Et leur première frayeur à 30 ans. Ça y est, ils ne sont plus tout jeunes. L'âge s'est abattu sur eux seuls. Et le premier cheveu qui tombe. Ils n'auront plus jamais la même force de séduction. Un jour-là, un cheveu qui tombe contre un autre cheveu tout pareil. Pour eux, qui ne pleurent jamais. C'est vrai, je n'ai jamais rencontré de larmes d'homme. C'est pour ça qu'ils meurent avant nous. Parce qu'ils ne pleurent jamais. Les bons sanglots, ça lave les tracas, ça décongestionne. Mais eux, ils s'empoisonnent lentement et meurent étouffés sous le poids des larmes qu'ils n'ont pas voulu verser. Un père qui dit à son fils, un garçon, ça ne pleure pas. C'est un père qui tue son fils à distance. Oui, mais nous, on s'occupe des 802. Ah oui. Ma mère, enfin celle qui m'a élevé, me disait toujours, sois sérieuse. Et sérieuse, pour elle, c'était toutes les qualités à la fois. Plus tard, elle me disait, épouse un sérieux. Alors, le premier sérieux que j'ai rencontré, je l'ai épousé. Pour être sérieux, je dormais avec le pape. Gentil, câlin à sa manière, jamais nerveux. Il est parti. Il savait pourquoi? Il me trouvait trop sérieuse. Et c'est vrai que j'étais plus sérieuse que le code civil. Mais je voulais être dans son sérieux à lui. Il s'est marié avec une qui s'esclaffe à chaque tournant. Elle dit, il fait tellement froid, je sens plus mes pieds. Et se jette en arrière pour rire à l'aise.
Moi, je me suis remarié avec un accord plus sérieux. Avec chacun, j'ai eu deux enfants qui ne rient jamais. Alors moi, les Polonais fragiles et les grosses chaussures. Aux grosses chaussures en espadrille ou en Santiago, ils ont tous la même angoisse. Que cette chose qui en eux s'élève vers le ciel puisse un jour perdre le ciel. Et rester là, inerte, anéantie, ruinée. Et eux, devant elles, le teint brouillé, les pauvres, humiliés, désespérés. C'est vrai, c'est avec elles qu'ils ont peuplé le monde. Et qu'ils ont fait Victor Hugo, Gandhi, Pasteur, Edith Piaf, et même le général de Gaulle, et même le Christ. Pas le Christ. Nous aussi, on a un peu... Dans le grandiose, les hommes se veulent tout seuls. Mon troisième, qui s'appelle Henri, il rit beaucoup. Il parle jour et nuit, il fait des gestes grands comme des draps. Il déteste pas le travail, mais lui, il n'adore pas le travail. C'est ça, sa fragilité. Ah, voilà lui, sans doute. Quand ils reviennent de vacances, les trains sont encore plus simples. Le train 812 vient d'arriver à destination de la gare de Tokyo. Attends, je regarde. Adrien ! Quoi ? C'est terrible ! Qu'est-ce qu'il y a ? T'es malade ? Non ! Pif ! J'ai oublié le tableau dans le métro ! Mais c'est pas possible ! Mais non ! Mais pourquoi ? Mais comment ? Mais je l'ai pas fait exprès ! Papa, merci de pas l'avoir fait exprès, mais comme... Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On pourrait téléphoner. Mais téléphoner à qui? Bah au métro. Mais au métro, mais c'est qui le métro? Bah le guichet, là où tout le monde descend. Mais en ce moment, il est déjà sous le bras d'un voyageur, enfin, j'en ai marre. Peut-être qu'il l'aime pas et qu'il a raison au guichet. Mais pourquoi il l'aimerait pas ce tableau? Ils le veulent, en plus, il l'aime pas. Mais c'est le comble. Il a encore rien dit. Et bah qu'il continue à se taire. Mais enfin, comment est-ce qu'on va expliquer, Simone? Comment? C'était le tableau de ma sœur. T'avais qu'à le garder, il était à côté de toi sur la banquette. T'es descendu trop vite. Eh ben dis maintenant que c'est de ma faute. T'avais qu'à t'occuper du tableau. Seulement le tableau, et tu le laisses. Regarde Adrien. Oh, monsieur. Oui. Ce tableau. C'est rien. Oui. Excusez-moi, qu'est-ce que vous dites? Ce tableau là, sous votre bras, il est à moi, à ma femme. Nous venons de le perdre. Si vous venez de le perdre, pourquoi voulez-vous qu'il soit sous mon bras? Ah mais non, mais c'est pas possible, oh, mais j'en ai marre, moi. Mais c'est votre erreur. Ce tableau est à moi, à ma femme, à ma sœur. Un tableau n'appartient pas à ton personnage. Je reconnais le derrière. Ce n'est pas le derrière qu'il faut reconnaître, c'est le tableau. Voleur. Et où l'aurais-je volé? Dans le métro. Oui, dans le métro. Je ne prends jamais le métro. Bah aujourd'hui, si. On n'a qu'à demander à monsieur de nous décrire ce tableau. On verra bien si c'est le sien. Très bonne idée, à vous l'honneur. C'est facile. C'est un bouquet de roses roses. Oui. Dans un vase bleu. Oui. Posé sur une table jaune. Oui. Et par la fenêtre, on voit... Qu'est-ce qu'on voit déjà? Une vache. Une seule. Deux. Et vous? Une mère déchaînée. Une mère de famille. Un océan déchaîné. Une mère de famille déchaînée. Un océan déchaîné. Adrien. Déchaîné. Adrien. Comment être sûr de ce qu'il raconte si on n'a pas vu le tableau? Eh ben demande-lui. Non, toi, t'as une autorité naturelle. Eh ben c'est bien la preuve qu'il l'avait volé. Et à cause de toi, on le perd deux fois, Simone, je commence à en avoir un, le vol. Qu'est-ce que je ferai là-bas? Tu regarderas la nature. La nature? Oui, la nature. C'est quoi la nature? Comment c'est quoi? C'est tout ce qui nous entoure. Les rivières, les papillons, les arbres, la lune. Le vent? Le vent. Comment tu peux regarder le vent? Quand il passe. Sur les toits? Dans les arbres? Bon, bah, c'est déjà regarder le vent, regarde-le. Et les cailloux? Quoi les cailloux? Cailloux avec un X. Je les regarderai? Oui, oui, tu les regardes. Mais... Si je les regarde et que les autres ils continuent d'avancer,
Je vais rester tout seul. Tu es obligé de t'arrêter. Tu vas perdre tout dans la tête. Comme ça? Oui, comme ça. Mais peut-être que je me connais avec quelqu'un. Alors tu vas, il n'y aura pas quelqu'un. Mais ils sont là, alors. Qui? Les autres quelqu'un. Chez eux. Dans leur maison. Oui. Ils ont chaud dans leur maison. Oui, ils ont chaud. C'est pour ça qu'ils sortent pas. Oui, c'est pour ça. Et les barrières? Alors? C'est la nature? Oui, c'est la nature. Même si elles sont cassées. Pourquoi elles seraient cassées, ces barrières? Je sais pas, je suis pas encore là-bas. Moi. Si tu sais pas, reste tranquille. Et t'avises pas à casser les barrières. Comment s'est fait la nature? Comment ça? Qu'est-ce qui a fait la nature? C'est Dieu. Toute la nature? Bah oui, il n'allait pas qu'en faire la moitié. Il n'y avait personne pour l'aider. Personne. Et papa, il aurait pu l'aider. Le bon Dieu n'a pas besoin de ton père. Et s'il avait voulu lui donner un coup de main? Ça ne se fait pas. Et il a aussi fait des barrières. Qui? Dieu. Non, les barrières, c'est fait par les hommes. Et les hommes, je regarderai. Ah non! Pas les hommes. Tu m'as compris, surtout pas les hommes. Pas les hommes. Oui, les hommes, c'est pas naturel. D'accord. D'être bien poli avec les infirmiers. Fait drôlement froid. Toujours dans les gares. Dans les petites gares, fait moins froid. Ah, j'avais pas remarqué. Étudiante? Oui. Quand on a faim, il fait encore plus froid. Sûr. Tu vas loin? Pas vraiment. Moi, je vais loin si je peux y aller. Il me manque 100 francs, pas plus. Je voudrais aller voir ma mère. Elle est malade. 100 francs? Oui, ça me suffirait. Mais je fais pas la manche. Je pars comme ça parce qu'on a le même âge. On peut se comprendre. Tu travailles pas? Des petits boulots merdiques. Sauf que c'est pour le train. Pourquoi je serais à la gare? Des papiers. Vous avez pas le droit, qu'est-ce que vous faites? Des connaissances. C'est quoi ça? C'est du talc. Toi aussi. Quoi? Mais qu'est-ce qui vous prend? J'ai rien fait. Ton billet, c'était pas pour acheter du talc par hasard. Mais vous vous trompez, pas en qualité. Vous n'aurez pas besoin de s'inquiéter. Avance. Ok. On est prêts. C'est parti. Allez. Qu'est-ce que tu as? Ben maintenant qu'on part, j'aurais comme plus envie de partir. Voilà. C'est toi qui voulais. Oui, et c'est moi qui veux moins. C'est ton angoisse? C'est quoi l'angoisse? Tais-toi, je pars. C'est parce que le train va dérailler? Voilà, je veux changer d'horizon, je cours acheter les billets, et maintenant les déraillements. Je veux pas dérailler, je veux mieux jouer à la maison. Tais-toi ou c'est la gifle. Si ça t'angoisse, autant de partir. Pourquoi autant? Ça m'angoisse. Point. Il n'y a pas de point à l'angoisse. C'est partir qui fait mal, parce que partir, c'est toujours revenir, du moins pour nous. Pour tout le monde? Non, pas pour les gitans. On n'est pas des gitans, et Dieu merci, on sera jamais des gitans. Moi, j'aime pas les gitans. Eux, ils savent partir sans revenir. Ils traversent les champs, suivent le soleil ou les fleuves, longent de la soupe hérisson, au clair de lune, le fils aîné joue du violon. Pas de retour pour eux, seulement l'espace est zigzag. Veux-tu qu'on achète, qu'on loue une roulotte? Je crois qu'au fond, j'aurais préféré le bateau. Oh, moi aussi, moi aussi. C'est toi. Le bateau? Oui, je crois. Sur la mer?
De toute façon, même en bateau, il faut revenir. Et revenir, c'est revenir dans une maison sans lumière, qui sent la vieille pomme, avec un géranium qui ne fleurit que tous les 5 ans, et où les vieilles une fêlure et que c'est la première chose que je verrai en rentrant, voilà tout. Ouais, la fêlure. Quoi? Tu vas pas me dire qu'à ton âge, tu ne sais pas ce que c'est qu'une fêlure? Si, mais je m'y suis habituée. Comment tu aurais pu t'y habituer? Tu ne t'approches jamais du lavabo. Et il y en a autre. Il y en a une autre qui se dessine sur l'évier. Ouais, un cheveu. Quoi, un cheveu? Bah, pas plus épaisse qu'un cheveu. Mais on n'est pas venu dans cette gare pour parler de fêlure. Il y en a d'autres qui se préparent. Et qui font mal. C'est le quai 11. Donne-moi les billets que je composte. Les billets sur la cheminée. Mais depuis quand j'en peur de la cheminée pour partir en voyage, Gabi? Oh, tu t'abouties. Prends les billets sur la cheminée. Bon, ok, tout le monde a compris. On rentre dans la vieille pomme et dans les fêlures de toute façon. Parti sans être nu, c'est ça qui est salutaire pour le moral. Nous, la cheminée, on dit à nos amis, on a une cheminée. J'ai jamais vu une flambée, hein, je vous dis. Vous allez où exactement? À Bastory. Bastory? Je connais pas. C'est dans la montagne. Au terminus, on prend un petit ortillard. Avant de se mettre en marche, le conducteur se penche en dehors de sa cabine et crie. Tout le monde est monté? Je n'oublie personne. Quand la côte est trop forte, on descend pour le soulager. On marche à côté de lui, en s'en racontant des histoires et en cueillant des fleurs sauvages. Ça existe encore? Lui, il existe. Il est de couleur rouge. Bastory? Mais ce sont les Bastoriens qu'on aime retrouver. Ce sont des êtres merveilleux. Ils se sont installés dans cette région il y a plus de 4 siècles, ayant perdu une patrie sans nom. Je m'ai entendu parler. Bien que souvent on croit à la nostalgie, ils rient beaucoup et organisent bien des fêtes. Ainsi, comme ils ont construit leur bourgade au milieu d'une forêt d'essence rare, quand arrivent les premiers papillons et les libellules, ils s'adonnent à une joute poétique qui dure 3 jours et 3 nuits. Le vainqueur est celui qui, au cours de son improvisation, attirera sur lui un papillon. Ça arrive. Tous les ans. Mais si plusieurs papillons... Les concurrents sont départagés selon la durée du temps de pose du papillon. Ah, mais il y a bien d'autres fêtes. La fête de la cerise, qui consiste à faire une boucle bien fermée avec une queue de cerise. La queue de cerise est dans la bouche et on ne cède que de sa langue. Ma grand-mère, qui était bastorienne, était très forte. Elle arrivait à boucler 5 à 6 queues de cerise en une seule nuit. Il y a la fête de la tortue, la fête du beurre salé, la fête des ânes. Les ânes et les ânesses de toutes les familles sont enfermés dans un enclos à l'herbe bien grasse. Et déclaré vainqueur, l'âne qui a rapporté plus d'attention à l'ânesse qu'à la luzerne. Si les ânesses sont en lutte... Non, justement, on ne choisit pas cette période. Ce serait sans intérêt. Il y a aussi la fête des pierres plates, qui concerne seulement les citoyens ayant eu des différends entre eux au cours de l'année. Ils se placent l'un en face de l'autre et se bombardent à coups de pierres plates. Charmant. Le vainqueur est celui qui, grâce à la légèreté de son jet, ne déstabilise jamais son adversaire. Il suffit pour le faire perdre que son adversaire simule un choc, qu'il envoie au sol. L'arbitre à l'œil démasquerait aisément la simulation. C'est un jeu destiné à apprendre le respect de son adversaire. Et de quelle nature est la récompense de ces hauts faits? Le gagnant est dispensé d'un mois de travail payé double. Et il reçoit la valeur de son poids en livres et en dictionnaires. Quand on arrive chez les Bastoriens, ils applaudissent. Et il n'y a pas de chien perdu à Bastory. Un enfant rentrant chez lui avec un chien galeux, crotté, venu d'ailleurs, ses parents le félicitent. De même qu'il n'y a pas de mendiant, chaque maison a sa chambre de vagabond. Ne reste dehors que celui qui n'aime pas les toits. Sur requête de ses habitants, la municipalité soigne et nourrit les familles démunies, à cette condition que les enfants apprennent la flûte, Étienne en laisse les chiens pendant que les ménagères vont faire leur achat alimentaire. Oui, les Bastoriens rient beaucoup, et ils ne ferment ni leurs portes, ni leurs fenêtres. Écoutez, mon vieux. Ils n'enterrent pas leurs morts, ils les momifient. Et ils les installent chez eux dans de grands meubles cirés. Ils parlent souvent avec eux, et discutent, et plaisantent. Quand on part, ils nous accompagnent jusqu'au train, et nous saluent avec de grandes fleurs jaunes qu'ils cultivent à cette attention. Vous êtes un prince. Ah? Bastory, ça n'existe pas, et ça n'existera jamais. N'existera jamais. L'emploi du futur devrait vous condamner à la prison perpétuelle. En route pour Poudlard ! Ouais !
l'âme. Moi, je vous le dis, il ne faut plus en entendre parler. Tous ceux qui ont inventé ce paysage le boivent jusqu'à la dernière goutte. Non, on n'est pas sur la terre pour pleurer. Que ce soit dans un mouchoir, un lit, un escalier, une forêt ou un train. Non, les larmes, c'est fait pour le jour où l'homme qu'on aime vous dit enfin je vous aime. Ou quand le prisonnier se retrouve à la libre. Je dirais même qu'on n'est pas sur la terre pour mourir. Ah non, on serait allé ici juste pour mourir. On nous aurait jeté comme une poignée de sel dans la soupe, rien que pour nous voir fondre entre les yeux du bouillon. Non, on est là pour vivre, oui, pour vivre avec du ciel partout. Du ciel en pagaie, du ciel sous les bras et entre les draps. Du ciel qu'on pourrait presque toucher. Et qu'on verrait même palpiter sur les trottoirs. Et même dans le métro. Et même dans son bol de café. Même dans l'eau où on lave son bol de café. Parce que vivre, c'est pas une habitude. C'est une expédition au long cours bien plus intéressante que de sauter sur la lune où il n'y a que des crevasses et des cailloux blancs. Parce que sur la terre, on a des boulangers. Des lits avec des cuisses entre les cuisses. Des musiques de Beethoven. Des t-shirts où on tient en chaud entre ses deux seins le chanteur qu'on aime. Des bicyclettes pleines de chrome et de couleurs qui ne rouillent pas et qui vous roulent vers celui qu'on aime. Tout ça parce que je me dis que c'est un vrai miracle d'être en vie. De pouvoir écouter le vent qui fait tourner les étoiles. Que vivre, ça n'arrive pas à tout le monde. Et que ce serait un crime de croire la mort une chose naturelle. Dieu aurait voulu notre mort. Ça a dû lui échapper. Il n'a pas su rattraper le coup. Et c'est bien, au fond de lui, que de tous les scandales, la mort est le plus dégueulasse des scandales. Le plus bordélique. Et ça lui fait honte. Moi, quand j'apprends la mort de quelqu'un, je me dis que qu'il y a quelque chose qui s'est coincé au départ. Mais qu'est-ce que tu fais ici? On te cherche partout. Qu'est-ce que tu me veux? Les résultats sont pas bons. Je dois rentrer à l'hôpital? Oui. Quand? Le plus tôt possible. Voici la gare qui enflamme, plombe les cœurs, déplie les ailes. Elle qui jamais ne se lasse et jamais ne nous lasse. Voici la gare centrale, débarcadère des volontés, carrefour des inquiétudes. Bravo. This was a trial.
C'est parti. Yeah.
mon meilleur ami. Bonsoir à tout le monde. Du coup,
on va commencer avec un morceau que vous connaissez probablement, qui s'appelle Apocalypse. Jimmy, it's a nice thing.
You keep my head on and I know what I'm
Désolé, on a un petit problème technique pour le violoncelle. C'est un peu une dédicace au lycée Chaptal. Je pense que vous avez compris. Lycée Chaptal, du feu, RPZ, Madame Julie. Ok. Ouais. Thank you.
you on the heaven and I wanna know school. Get her out the pool park, get her in the prison. Put my lips and throw down with her in the prison. Put my dog in bed and I'm a Terry Shelly. I'm Shelly and Terry, sign about the bills on the other. She love my mom, my girl, my home and my shame. Put my job in line and run about with every shame. No cool, gotta go behind my pool. No cool, got any door, can't go behind my pool. Cause I love marijuana, man, I'm real down to Padma. Put my broken motherland, put my nuts
piano également Brunel. Ah. Au violoncelle, Margot. Ah. À la batterie, Aimée. Ah. À la basse, Adrien. Je voudrais rappeler tous ceux qui ont été les artistes ce soir, donc le groupe de théâtre, le groupe de musique irlandaise, le groupe jazz, The Group et PAG, à venir faire un salut. Merci. Entretenir cette soirée comme il le faut. Et ben voilà, j'aimerais quand même qu'on les applaudisse fortement. Une dernière...